Émission préférée, les Boss Ladies Show. Je suis le pasteur Raph et nous sommes donc sur Évangile TV. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème extrêmement important. Mais avant d'entrer dans le thème, j'aimerais vous présenter mon plateau du jour. Mon plateau du jour est excellent, il est succulent. Je suis avec des Boss Ladies. Yes! Bonjour, bonsoir. Peu importe l'heure à laquelle vous regardez cette émission, en tout cas, vous êtes les bienvenus. N'hésitez surtout pas à la partager à un maximum de personnes. Il y a d'autres personnes qui veulent regarder, qui veulent être bénies. Alors, comme d'habitude, je suis entourée de Daphné Amber. Yes. Daphné tout court, sinon. Daphné dans toute sa splendeur. Et là, et comme d'habitude, Daphné, j'espère que tu vas nous faire rire aujourd'hui. Ben, je sais pas. C'est naturel. Oui, c'est jamais prémédité. Et bien sûr, à côté de Daphné, il y a Marie-Alexandra qui est là. Pour vous servir. Voilà. Mais aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale. Que quelqu'un dise après moi, spéciale. Voilà. Elle est magnifique, elle est incroyable, elle est jolie, elle est inspirante. Elle s'appelle Nissi Elende. Nissi Elende, sous vos acclamations, s'il vous plaît. Bienvenue. Voilà, c'est une femme de Dieu. Comme vous pouvez voir, elle est magnifique, n'est-ce pas? Très magnifique. Elle passe bien là sur le plateau. Dites-elle qui est grandiose. La gloire de Dieu. Moi, je vois les écrans, les retours écrans là. On sent qu'il y a le mari de quelqu'un derrière. Non, parce que tu peux pas être aussi belle et puis il y a pas le mari quelque part. En tout cas, alors il y a le mari quelque part. En tout cas, je suis vraiment ravie de l'accueillir ici parce que Nissi, c'est une femme de Dieu, une épouse d'un homme de Dieu, mais c'est également une femme entrepreneur. Elle fait énormément de choses et je vais lui laisser le soin de se présenter à vous pour que vous appreniez un petit peu à la connaître. Ben déjà, bonjour ou bonsoir à tous. Je suis heureuse d'être sur ce plateau. Ben, je bénis le Seigneur et aussi je remercie le pasteur Grâce pour l'invitation. Je suis vraiment très honorée. Et avec l'équipe de choc, hein, on va bien rigoler. Yes. Ça va être feu. Donc, comme elle l'a dit, donc je suis Nissi Elende, servante de Dieu dans mon église Vase du Potier. On est basé ici à Paris, en Guadeloupe. Et je suis pas que servante de Dieu, je suis aussi entrepreneur. Yes. Donc, je tiens un institut de beauté et je suis un atelier de couture. Elle a dit important. Attends. Elle a dit institut de beauté et atelier de couture. Donc, tu comprends et la beauté et le style. Et c'est ma création. Magnifique. Voilà. Bah donc c'est Dynastie, du coup le nom de mon entreprise, Dynastie J. Ben moi je suis Dynastie J depuis un moment, donc je vois un petit peu tout ce que tu fais en tous les cas. Aussi. Ah tu connais aussi? Ben c'est super. T'as vu les belles robes qu'elle fait là? Bientôt ma belle robe va venir de là. Exactement. Je vous dis moi. C'est pas prophétique, c'est la réalité. En tout cas, sois la bienvenue. Merci. On est vraiment ravis de t'accueillir. Merci beaucoup. Ça va être génial. Alors les filles, on va rentrer dans le vif du sujet. Hein. Yes. Oui. Nous allons parler donc aujourd'hui des 7 erreurs des femmes qui veulent réussir. Parce qu'aujourd'hui, on a une ici qui fait beaucoup de choses. Voilà, elle est dans la beauté, elle est aussi dans le style. Donc tu as l'habitude voilà, de t'occuper des femmes, de les habiller, de les sublimer même. Et je pense que tu as déjà rencontré des femmes qui veulent réussir. Bah, je pense que ça soit dans le domaine, enfin, dans n'importe quel domaine, je pense que toute femme veut réussir dans ce qu'elle entreprend. Très bien. Mais j'ai aimé ce que tu as dit au début,
Là, on va parler maintenant des erreurs à ne pas commettre pour réussir. Les erreurs. Les erreurs. Parce que il y en a qui font des erreurs, hein. Ah, ça. Ils veulent réussir à tout à prix. À tout prix. À tout prix. Et parfois, ben, voilà, on passe vraiment à côté des choses essentielles parce que ben on a dans sa tête cette ambition là et qui peut tellement nous bouffer et nous éloigner même de qui on est en réalité. Exactement. Même nous éloigner de Dieu. Hein. Même nous éloigner de Dieu. Parce qu'on paye des prix qu'on ne doit même pas payer en fait. Tous les prix ne sont pas bons à payer. Les filles, j'espère que vous avez comme d'habitude votre petit carnet de notes parce qu'aujourd'hui, vous allez apprendre des choses qui vont vous édifier, vous construire. Alors, la première erreur, je dirais que les femmes pensent qu'elles vont réussir toutes seules. Et je me base de tout ce qu'on entend. Il y a des expressions qu'on retrouve beaucoup sur les réseaux sociaux. Self woman made. Oui. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Je crois qu'il y a même un film comme ça sur Netflix d'une femme afro-américaine qui a créé une marque de produits capillaires, produits cosmétiques. Oui, c'est voilà. Vrai. Oui. Et je sais que après ce film, je sais que j'ai beaucoup vu sur les réseaux sociaux. Je suis une self woman made comme cette femme-là. Qu'est-ce que vous en pensez d'avoir toi? Ici, qu'est-ce que tu en penses? Faut pas oublier déjà qu'on est chrétienne, donc je vais me baser tout de suite à la parole de Dieu. La parole de Dieu déclare que, ensemble, c'est là où on réussit. Notre force ne se trouve pas dans l'individualisme, comme on peut le voir dans le monde. Et j'aimerais vraiment interpeller une femme qui pense que pour pouvoir réussir, elle a besoin d'écraser les autres. Wow. Parce que aujourd'hui, vraiment, ce qui arrive malheureusement dans notre génération, c'est qu'on se dit ah ben non, mais je suis capable de tout faire seule. Je n'ai pas besoin forcément de l'autre. Même la parole de Dieu nous dit que le corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Amen. C'est très important de savoir bien s'entourer pour pouvoir réussir. Et malheureusement, dans notre génération, je pense qu'on est beaucoup devenu trop individualiste. On pense que effectivement, si je fais ça, je serai beaucoup plus mise en avant, je serai beaucoup plus mise en lumière. Wow. Donc on va me voir moi. Pourquoi dire que j'ai collaboré avec un tel? Waouh. Ah non, c'est moi qui ai l'idée, donc forcément c'est moi qui ai réussi. Aujourd'hui, c'est Dynasty J et ce qui est aujourd'hui, c'est pas seulement parce que Nissi est là, c'est parce que aussi je suis entourée des bonnes personnes. Amen. C'est important de pouvoir s'entourer vraiment des bonnes personnes. Amen. C'est très, très, très deep. Et j'apprécie que tu utilises le verset qui parle justement de la corde à trois fils. Parce qu'en général, ce verset, on l'utilise pour le mariage. Pour le mariage, tout le temps. Alors que c'est pas la seule entreprise que le Seigneur veut que nous réussissions. En tout cas, c'est pas la seule entreprise. J'ai dit entreprise, vous comprenez bien mes propos. Mais le mariage, c'est une entreprise. Non, je suis totalement d'accord. En fait, ce que je veux dire, c'est pas forcément dans le terme corporel de la chose, parce qu'il y a les sentiments et tout qui sont impliqués, ce qu'on ressent. Mais dans tous les cas, ce n'est pas la seule entreprise dans laquelle Dieu veut que nous réussissions. Il veut qu'on réussisse tout. Voilà, et j'apprécie vraiment que tu utilises ce passage. C'est bien. Prendre la parole et en faire plusieurs usages. Totalement. Mais pour continuer sur ce que tu es en train d'expliquer, je pense que c'est vraiment un thème qui va me bénir moi déjà personnellement, parce que c'est une réflexion que j'avais durant cette semaine. En fait, je pensais à quel point le monde déteste les femmes. À quel point le diable lui-même déteste la femme depuis toujours. Je pense même que l'ennemi juré du diable, c'est la femme. Ah oui. Parce que la Bible dit quoi? Que nous lui écraserons la tête. Tu lui écrases la tête. Voilà. Même si il mord le talon, on écrase la tête. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Il veut isoler la femme. Il veut faire en sorte que nous croyions, comme tu l'as bien expliqué, que tu dois être seule, que tu peux pas t'allier à d'autres femmes, que tu peux pas marcher avec d'autres femmes pour réussir. Donc c'est comme si tout le temps, il faut toujours qu'on ait une plus belle, une plus intelligente, une plus meilleure, et qu'il n'y ait pas de place pour les autres. Alors que nous savons très bien que quand un chrétien est seul, il peut être faible, il peut être sujet à des attaques et ne pas savoir comment y faire face. Alors pourquoi une femme aussi, en fait? On a besoin d'être entourée. Moi, j'ai lu il y a peut-être 2 ans de cela un post d'une femme, on va dire très connue, enfin connue sur la place en tout cas, et connue dans son métier. Je préfère taire les détails, mais le post m'avait en tout cas renvoyé à ce point-là, penser réussir seule. Et elle était en train de
bénir Dieu pour son succès, mais elle disait que j'étais seule contre vents et marées, j'étais seule. Et je me rends compte qu'en fait, les gens se trompent souvent. C'est-à-dire qu'ils se disent que si je réussis l'épreuve seule, c'est qu'il n'y avait personne avec moi. Et ce n'est pas la réalité, parce que les gens qui sont autour de toi ne sont pas emmenés à vaincre l'épreuve avec toi. C'est ça. Oui. C'est pas leur but, en fait. Amen. Peut-être que leur but, c'est juste de te dire, ouais, go, go, go. De t'accompagner. Peut-être même pas de t'accompagner. Peut-être que aussi, parce que la Bible va dire qu'ils dressent une table devant moi, en face de mes adversaires. Peut-être que le but de Dieu, c'est que ces gens aussi puissent être juste en face et te regarder. Peut-être qu'il faut qu'il y ait des cheerleaders qui te disent, allez. Et puis qui se détournent leur tête et qui pensent à autre chose, qui font autre chose. Mais j'étais quand même étonnée de voir, oui, j'ai réussi. Il y avait personne pour moi. Seul Dieu et moi. Vraiment. Self-made woman. Hashtag, blablabla. Bla, bla. Et en fait, j'ai trouvé ça dommage. Pourquoi? Parce que cette femme, elle a beaucoup d'influence sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit, mais elle est suivie par beaucoup de personnes. C'est là où c'est dangereux. Et c'est dangereux parce que ça ne renvoie pas la véritable image du succès et de la réussite. Amen. Au-delà même de Dieu, personne ne réussit seul. C'est impossible. Si tu réussis seul, ça veut dire que ton produit, là, c'est toi-même qui l'as acheté. C'est ça. Amen. C'est ça. Vraiment, mais amen. Rien que ton plus client. Plus 10, plus 15, c'est plus 30 pour ce que tu viens de dire. Vraiment. C'est un manque d'humilité, en fait. Oui. Déjà, de ne pas reconnaître que c'est aussi grâce aux clients qu'une entreprise tout est à ce fait. Qu'elle est. Oui. S'il n'y a pas de clients, il n'y a pas d'entreprise viable, en fait. Oui. Il y en a beaucoup qui font banqueroute parce qu'il n'y a plus de clients à un moment donné. Donc, c'est un manque d'humilité, déjà, de dire on est seul. Et puis, d'ailleurs, comment elle peut bénir le Seigneur et dire qu'elle est seule? Ils étaient au moins deux. au moins quatre. Au moins quatre. Que le Père. Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est déjà une équipe. C'est déjà une équipe. Oui. Comment est-ce qu'elle peut dire ça? Même, je rebondis seulement à ce qu'on est en train de dire. Rebondissons. Là. Allons-y. J'aime ça, rebondissons. Non, déjà, il faut même repartir dans la, comment dirais-je, dans la Bible. Dieu même lui-même, le Dieu créateur, le Dieu tout fort, le Dieu tout puissant. Je sais là où tu vas en venir. Libère, maman. Est-ce qu'il est seul? Non, il n'est pas seul. Je dis, est-ce qu'il est seul? Non. C'est ça. Mais en fait, on est en train de tuer même la pensée de Christ. Alléluia. On est même en train de tuer même qui notre base qui est la chrétienté, c'est qu'on doit être ensemble. Dieu le Père, lui-même, il est assis, il a travaillé avec le Christ, il a travaillé avec le Saint-Esprit. Si c'est comme ça, il fallait que lui-même, il est le Tout-Puissant, non? Est-ce qu'il a besoin du Christ? Est-ce qu'il a besoin du Saint-Esprit? Et il aurait pu lui-même descendre ici. Et regarde, quand il va créer, il va pas dire je vais faire. Il a dit faisons. Amen. C'est ça. Il a dit faisons parce qu'il savait qu'il était pas seul. Redis encore parce que là, tu connais pas. Il a pas dit je vais faire. Il a dit faisons. Oui, c'est ça. L'homme a une autre image. En fait, c'est impossible. Une femme ne peut pas réussir seule. Il y a un minimum de 3 personnes qui t'accompagnent. Et puis, tu sais, tu as parlé du film, tu sais, de la femme qui a créé justement cette marque de produits capillaires. Elle n'était pas seule tout le temps. Elle avait une équipe qui l'accompagnait. Elle avait son mari, la famille de son mari. Et elle avait vrai. Sa fille. C'est vrai. Voilà, elle a certains challenges en fait qu'elle a vécu seule. Parce qu'il y a des choses qu'on doit vivre seule. Il faut que tu vives ça seule. Les épreuves ne sont pas faites pour les traverser en équipe. Mais c'est ça. À un moment, il faut comprendre en fait, même si tu as une équipe de 10 000 personnes, les épreuves ne sont pas faites pour que tu les traverses seule en équipe. Pourquoi? Parce que le jour où tu tiens la coupe, sinon c'est toute l'équipe qui doit attraper la coupe. Mais c'est ça. Chaque membre de l'équipe a un rôle spécial. Et puis on peut se sentir seul, mais ne pas être seul. Oui, aussi. On a ce sentiment de solitude qui nous assaille, mais ça ne veut pas dire qu'il y a personne autour. Donc je pense qu'il faut aussi pouvoir faire cette différence-là pour être juste et donc, dans ses propos. Vous direz que c'est une réalité ou une illusion? C'est une illusion totale. J'appuie. En plus, en tant que chrétien, nous sommes interdépendants. C'est ça. Donc comment? C'est ça. Même seulement le corps en lui-même. Comment le corps est disposé? C'est ça. Si ta main gauche l'a dit, je peux pas travailler. Comment ta main droite? Si ton corps te dit, je bouge pas. Si tes jambes ne veulent pas bouger, est-ce que tes mains vont dire, bon, moi, je vais marcher à la place des jambes? C'est ça. Non. C'est ça. Vraiment, même l'image, comment c'est très important parce que quand même, je pense qu'on parle à un public qui est chrétien, on doit. Regardons tout dans la Bible. La Bible, et moi je dis toujours, c'est le meilleur de livres, c'est celle qui nous permet d'avancer, de comprendre les choses
comprenons vraiment même le corps. Si tes jambes, aujourd'hui, ici, mes jambes ne bougent pas, est-ce que mes mains peuvent dire, oh ben non, je prends la place des jambes et puis je vais commencer à aller marcher? Non, voilà, aller faire du foot avec les gens. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, pour être une chrétienne telle que nous sommes, on est interdépendant comme ma sœur. Marie-Alexandra l'a dit. Amen, amen. Donc, vous l'avez compris, mesdames, c'est une illusion. Ne vous dites pas que vous allez réussir seule. Et surtout, n'ayez pas l'orgueil de vous dire « Oh, j'ai réussi seule ». Parce que de toute façon, pour réussir, il y aura besoin d'opportunités. Il y aura besoin que quelqu'un croie en vous ou croie en votre projet. Et en fait, les moindres opportunités, la moindre personne qui vient pour vous aider à un moment donné de votre vie est un pont vers votre destinée. Donc, il faut apprendre à reconnaître et à honorer les ponts et les portes. Yes, c'est ça. Amen. Les ponts et les portes. Amen. Et je voulais rajouter juste un petit truc, c'est que parfois, on pense que, par exemple, elle va bénir le Seigneur pour la réussite, mais il faut aussi qu'elle bénisse le Seigneur, de façon générale, qu'on bénisse aussi le Seigneur pour le processus, pour les challenges, en fait, parce que c'est ça aussi qui fait grandir. Et à chaque fois, on pense que quand tout est rose, c'est là qu'il y a Dieu. Et quand c'est pas rose, ça veut dire que Dieu n'est plus dedans. C'est ça. Alors que la volonté de Dieu, c'est aussi qu'on puisse être éprouvé pour grandir, en fait. Donc même dans l'épreuve, il faut bénir le Seigneur. Et pas se dire, bah voilà, là c'est un challenge, je suis toute seule, il n'y a personne. Non, mais Dieu est dedans. Amen. Dieu est dedans. Dieu est dans l'épreuve. Amen, amen. Mmh. Vous êtes édifiés, j'en suis sûre. Amen. Nous allons donc passer à la deuxième erreur, c'est le manque de préparation avant de se lancer ou le manque de formation spécifique. Toi, tu as fait une formation avant de te lancer justement dans ton métier que je retiens jamais là. Modéliste, styliste. Ah oui, voilà. Avant de te lancer en tant que conseillère en image, pourquoi est-ce que tu as pensé que c'était important en fait que tu fasses cette formation? Parce que je veux dire, moi je connais des conseillères en image qui sont sur les réseaux sociaux, ils ont pas fait la formation. C'est elles qui voient. Mais sinon, il suffit pas de juste savoir s'habiller. C'est toute une étude derrière, en fait. Donc moi, j'ai estimé que j'avais pas assez de compétences. Et puis, je veux quand même. C'est une activité rémunérée. Il faut respecter le porte-monnaie des gens. Il faut respecter le client, merci. Il faut respecter le client, il faut respecter le porte-monnaie. Donc j'estime qu'il me fallait, un minimum quand même de connaissances pour être rémunérée, pour apporter une expertise en fait. Parce que, et puis d'ailleurs, voilà, même avant cette formation, on me disait, mais tu t'habilles déjà très bien, etc. Mais j'ai remarqué que non, en fait, il y avait des choses que je n'assemblais peut-être pas forcément, ou des couleurs que je mettais qui ne m'allaient pas. Mais tout ça, c'est une étude, en fait. Donc voilà. Moi, je te prends un exemple. C'est comme les personnes qui décident qu'elles sont make-up artistes sans pour autant bénéficier d'une formation, ne fût-ce qu'une formation d'une seule journée. Je pense que il y a des femmes, en fait, elles se limitent. Certaines ont peur de leurs compétences. Elles n'ont pas confiance en leur cerveau. Donc du coup. N'est-ce pas? Du coup, elles se disent, je sais déjà faire la chose. Si je veux encore faire l'école, ça va prendre trop de temps. Mais là où je bénis le Seigneur, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes quand même dans une génération où il y a des formations de toutes formes. Exact. Tu n'es pas obligé de faire un bac plus 17, en fait, vrai. Aujourd'hui. Tu peux faire quelque chose de court, où tu as un mentor qui te forme, qui te donne de la connaissance, mais il faut quand même le faire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il faut le faire. C'est nécessaire de passer par la formation. Et puis même, la formation ouvre aussi des portes. Oui. Je veux dire, par exemple, une make-up artiste qui vient de telle école, telle académie de make-up, par exemple, ça peut lui ouvrir des portes sur les plateaux télé, sur... Très bien, oui. Par exemple, c'est le réseautage, en fait. Oui, et ça donne une légitimité, en fait. Ça donne une légitimité. Je veux dire, entre la make-up artiste qui s'est formée toute seule et celle qui sort d'une école, le jour d'un mariage, par exemple, la mariée, peut-être qu'elle aura tendance à vouloir aller chez celle qui est plus formée. Mais c'est ça, c'est que comme aussi on est dans l'ère de l'auto-formation, on a tendance à dénigrer ou à ne plus voir l'importance d'une personne qui a une véritable formation. Parce que comme on dit que Google est ton ami, tu peux aller, tu vas trouver toutes les informations. Moi, Google est mon ami. Mais il n'y a pas de problème. Je pense que Google, aujourd'hui, c'est l'ami de beaucoup de gens. En tout cas. C'est l'ami de beaucoup de gens. Mais il n'en demeure pas moins qu'une formation sérieuse, bien faite, bien construite,
mais c'est imbattable, c'est indéniable. Ouais. Donc non, il faut pas du tout avoir peur, justement comme tu l'as dit. Mmh. Et des fois, voilà, effectivement, on minimise son cerveau parce que on se dit, comme tu l'as dit, je vais perdre du temps, ou alors que non, je sais déjà, j'ai l'appel soi-disant, ou j'ai le feu, je sens que j'ai aussi le feu vert du Seigneur, donc ça me suffit. Mmh. Mais David, il a pris soin des brebis. Il ne pensait pas, peut-être que c'était une formation pour lui, mais en réalité, ça l'était. Et je vais finir en disant que j'ai regardé un post de Tasha Cobbs très dernièrement. Je pense que tout le monde à cette table connaît Tasha Cobbs. La tantine qui est aux États-Unis. Non, mais je trouve qu'elle est vraiment arrêtée. Elle est vraiment édifiante sur plein de points. Oui, pourquoi tu refuses? Mais c'est une bonne chose. Avançons dans les thèmes. Ce que je voulais dire, c'est qu'elle a fait un post tout dernièrement dans lequel elle expliquait que avant d'entrer dans son ministère, elle a été pendant 2 ans manager dans un entrepôt. Alors qu'elle savait qu'elle avait un appel dans le ministère, donc que ce soit dans le chant ou aujourd'hui en tant que pasteur de son église, elle savait qu'elle avait l'appel, mais elle a travaillé pendant 2 ans. Et pendant qu'elle travaillait, elle explique que c'était un calvaire pour elle parce que elle avait ce feu. Mais elle dit aujourd'hui, vous ne vous rendez pas compte qu'il y a une corrélation entre la saison que vous traversez et du coup la saison de formation et l'objectif final. Aujourd'hui, tu ne vois pas que tu dois te lever chaque matin pour aller en cours, pour devenir ou pour occuper tel poste, et ça te fatigue parce que tu as des contrôles, ça te fatigue parce que tu dois rendre des comptes à un professeur, etc. Mais tu ne vois pas que dans cette formation, en réalité, il y a des clés qui te sont directement injectées et que tu vas en fait utiliser plus tard. Et elle explique que, au travers de ce poste de manager, elle a appris à manager. Donc qu'on le veuille ou non, un ministre un ministre de l'Évangile qui est pasteur de son église, qu'est-ce qu'il fait ? Il manage les membres de l'église. Totalement. Donc une chose qui peut sembler séculière, finalement Dieu l'utilise pour une fois qu'elle est dans son office. Totalement. Donc ne négligeons pas les formations. Non, négligeons pas. Je pense qu'il faut et puis il faut beaucoup encourager aussi les femmes à ne pas avoir cette limite, cette limite en elles, en se disant je ne suis pas capable en fait d'aller jusqu'au bout, parce que tu sais, certaines femmes qui fuient les formations, c'est aussi parce que à un moment donné elles ont essayé mais ça n'a pas fonctionné. C'est vrai. Parce que le chemin scolaire typique n'est pas forcément celui qui correspond à tout le monde. Et ça, en fait, il faut se le dire. Et surtout, il ne faudrait pas qu'une femme qui se dise, bon, je n'ai pas réussi à faire bac plus 4, que ça veut dire que j'ai échoué. Aujourd'hui, on est dans un monde où il y a plein de possibilités, fait. Parce que le succès ne se résume pas à un bac plus 4, je me rappelle. Quand, à l'époque où je suis partie en Afrique du Sud, je t'avais raconté, j'ai rencontré un monsieur qui était très diplômé, un blanc, qui était très diplômé et qui était dans les finances, qui avait gagné énormément d'argent, qui était multimilliardaire à un moment donné de sa vie. Il était marié, il avait tout ce qu'il voulait. Et puis un jour, par mauvais investissement, il s'est retrouvé avec rien et sa femme l'a quitté et je l'ai rencontré à la rue. Il était à la rue. D'accord. Et c'est pour vous dire que, en fait, tout ne se trouve pas forcément dans le diplôme. Oui, c'est vrai. Mais tout se trouve dans les compétences qu'on acquiert. Ah, donc la formation, c'est pas juste une question de diplôme. C'est beaucoup plus une question de compétences, en fait. C'est ça. Parce que si tu veux avoir des clients qui vont te recommander, vaudrait mieux que tu sois vraiment compétent dans ton domaine. Amen. Comme disait Marie-Alexandra, respectons le client. C'est ça. Et puis, il y a des formations aussi qui sont gratuites aujourd'hui. Oui. Il y a des formations qui sont gratuites. Moi, je sais que, par exemple, le métier de community manager, je l'ai appris il y a très longtemps en stage. Et j'ai commencé à l'exercer. Je l'ai appris en 2012. J'ai commencé à l'exercer à mon compte 5 ans après. Mais j'ai dû me remettre dans des formations parce que le digital, bah, ça va très vite, en fait. Les choses évoluent. Donc, j'ai dû passer par plein de formations. Et j'avais pas les moyens à cette époque-là. Bah, il y avait des formations gratuites. Bah, ça prend du temps, mais c'est nécessaire. Ouais. C'est vrai. Oui, ça prend du temps, mais c'est nécessaire. Donc, si on fouille bien, il y a de quoi faire, en fait. Il y a de quoi faire. C'est pas une question d'argent. Et puis, si c'est vraiment Dieu qui t'appelle à faire cette chose, comme on dit, quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Amen. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour mon école. En fait, je me suis lancée comme ça. J'ai dit, bon, allez, c'est bon, j'y vais. Et il m'a ouvert les portes. Amen. Et les finances aussi. Amen. D'ailleurs, j'ai un petit témoignage par rapport justement au fait de se former. En fait, en 2020, j'ai vraiment ressenti dans mon cœur
que je devais donner comme une autre suite à ma carrière professionnelle. J'avais des envies depuis longtemps et je sais que j'avais besoin de me reformer. Sauf que je travaillais déjà et pour moi, c'était pas possible de retourner à plein temps dans les études, etc. Et le Seigneur, comme toi, Marie-Alexandra, a ouvert une porte pour que je reprenne une formation que je suis actuellement. Et je sais pertinemment que c'est la voie par excellence qui me permettra d'atteindre cet objectif. Wow. Ce n'est pas seulement les gens, mais c'est de suivre la formation, en fait, qui va me le permettre. Très bien. Mm-hmm. Wouh, les filles, on va vite avancer dans notre plan parce qu'il nous reste 20 minutes. Bon, on a encore plein de points à voir. Yes. Alors, on va y aller très très vite et justement je vais sauter dedans le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que il y a celles en fait qui elles ont envie de commencer mais elles commencent jamais, elles ne commencent jamais. Est-ce que toi ça t'est arrivé au moment où tu voulais te lancer de te dire bon il faut que je crée cette marque là, il faut, mais à chaque fois tu recules et tu ne te lances jamais? Alors moi non, parce que même mon mari me dit des fois faut que je me calme. Bon, on est de la même espèce. Sincèrement non, parce que bah moi je suis quelqu'un en fait quand j'ai une idée en tête je l'ai pas autre part, mais vraiment pas autre part. Donc ça veut dire que quand j'ai une idée je me donne au moins tous les moyens pour réussir. Là par contre on parlait de des formations. Faut savoir que moi, dans tout ce que j'ai fait, je me suis formée. J'ai fait un CAP, j'ai fait un BTS esthétique, j'ai fait un CAP esthétique, j'ai fait un BTS esthétique. Et même, je ne le savais même pas, par la grâce de Dieu, le bac que j'avais fait avant m'a même permis d'avoir la connaissance justement pour l'esthétique, tout ce qui est anatomie et autres. Vraiment, on voit comment le Seigneur dispose les choses. Vraiment, moi, je suis quelqu'un, vraiment, quand j'ai une idée, je me mets entre les mains du Seigneur, je prie et je fonce. Je vous raconte une anecdote, bah, comment même j'ai créé Dynastie. Il faut savoir que j'étais dans mon année de BTS esthétique et je comptais en fait continuer en NBA. Et il y avait le temps des vacances justement et j'étais chez moi. Faut savoir mon papa est décédé, donc ça veut dire que quand ma mère elle est aussi décédée maintenant, mais c'était une femme d'affaires. On savait que c'était des hommes d'affaires eux deux du coup parce qu'ils faisaient des allers-retours. Et du coup, on avait une chambre en vide, une chambre vide. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, en fait, pendant l'été, juste créer, faire quelque chose dans la chambre et tout, histoire de voir comment ça va prendre l'esthétique. Et vraiment, par la grâce de Dieu, je me rappelle, à l'époque, c'était vraiment Facebook qui était à la page. Ma vidéo, elle a fait, je ne sais pas, 50 000 vues. Et tout le monde avait partagé et j'ai eu des clients pour tout l'été. Wow. Et je me suis dit, bon, ici, écoute, le diplôme, tu l'as. La connaissance, tu l'as. Pourquoi pas commencer? Donc c'est là où j'ai commencé justement l'institut à domicile. J'ai travaillé à domicile pendant plus de 2 ou 3 ans et ensuite je me suis dit non, je vois que les clients commençaient vraiment, je commençais vraiment avoir un bon carnet au niveau de mes clients, ma clientèle. Je me dis pourquoi pas ouvrir le salon directement. Du coup mon mari c'était mon prétendant de l'époque, il m'a aidé à trouver justement le local où je suis. C'était le premier local qu'on a visité, j'ai eu un coup de cœur. Parce que comme il était sur 2 étages, parce que du coup, faut savoir que l'institut est en haut et l'atelier est en bas. Donc, j'ai eu vraiment un coup de cœur. Je me suis projetée et je me suis dit, bon, ça y est, je vais le faire. Et ensuite, j'ai ouvert ma marque de cosmétiques. Vraiment, moi, quand j'ai une idée, je fonce. Tu fonces. Non, mais c'est tout. Des fois, c'est pas bon. C'est vrai aussi. C'est le piège des fonceurs. Ça, vraiment, je peux le dire parce qu'il y a eu des moments où bon, c'est pas trop le thème, mais je me suis un peu entremêlé les pinceaux. Parce que tellement que je suis une personne qui a énormément d'idées. Passionnée. Et que, c'est ça. Passionnée. C'est vraiment le mon mari me dit toujours, faut se calmer. Donc, je bénis le Seigneur pour l'équilibre qu'il accorde, à mon cher mari. Amen. Parce que je suis vraiment quelqu'un qui est une fonceuse. Et lui, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus réfléchi. Donc vraiment, ça nous donne cet équilibre-là pour pouvoir vraiment nous lancer dans nos projets. Mais, faut vraiment faire attention aussi. De pas toujours être speed, c'est ça. Faut savoir modérer tout ça. Mais en tout cas, ce que je retiens dans ce point-là, c'est que c'est important, en fait, c'est important d'avoir l'audace. C'est important d'oser, c'est important, même si c'est vrai qu'il faut savoir se cadrer. Mais si on doit s'adresser à des femmes qui souffrent de ce syndrome de l'imposteur et qui se disent « Oh non, je ne veux pas réussir et tout », foncez. Amen. Il n'y a rien d'autre à dire. Foncez. Tu as compris? C'est ça. Il faut surtout se dire qu'on n'a pas le choix. Tu n'as pas le choix, il faut y aller à un moment donné. Alors,
Autre erreur, être trop émotionnel par rapport à son business et croire que tout le monde doit te soutenir. Eh, mon Dieu. Franchement, ça c'est faux. Hein. Non, c'est une réalité. Illusion. Ah, non. C'est une illusion. Hein. Non, mais vous vous rendez pas compte comment j'ai souffert de ça. Mmh. Oui. Dis-nous. Ah non, donnez les mouchoirs déjà, s'il vous plaît. Les mouchoirs. Non, faut savoir que quand j'ai lancé mon business, j'ai quand même beaucoup d'amis et en fait moi je comprenais pas. Je me disais que comme je connais beaucoup de personnes, ça veut dire que automatiquement quand je lance mon business, donc ils doivent tous venir dans ma boutique. C'est ça. Hey, quelqu'un a rigolé, Non, mais je me suis vraiment dit, c'est obligé en fait, vu que je fais de la création, elles ont des mariages. Le pire, des fois même, tu parles avec certaines, elles disent, faut que j'aille déposer mon pain chez le couturier. Oh, là, tu es là. Oui, ma belle. Allô. Tu me vois pas? En plus, le pire, ou bien elle regarde la page. Ah, la tenue que t'as fait là, c'est joli, hein. Je vais prendre le modèle, je vais aller chez mon couturier. Non. Waouh. Mais après, je me suis posée, franchement j'en souffrais énormément et je me suis dit non, mais si toi aussi t'as des amis qui sont entrepreneurs, est-ce que tu vas tous les jours chez eux? C'est non. Vrai, ça. Non, c'est non, vrai. Non, ça c'est la vérité, faut savoir aussi se soi-même. Remettre en question. Est-ce que tu vas tous les jours, c'est impossible, on peut pas soutenir tout le monde, même si t'as l'envie, tu as, je sais pas, c'est impossible, c'est vrai. Mais par contre, c'est à nous de garder notre cœur. La parole de Dieu déclare quoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose. J'ai appris, je me suis mise devant la face du Seigneur, parce que moi, je suis quelqu'un vraiment, je fais pas semblant. C'est-à-dire que j'ai un cœur, même les personnes qui me connaissent, vraiment, non, moi, c'est tout ou rien. Oui. Donc, c'est-à-dire que quand je donne, et j'estimais que pour ça, mes amis devaient me le rendre, forcément, en venir consommer dans mon magasin. Et j'ai dit non, c'est pas possible. Mais c'est à toi de garder ton cœur. Entreprends, mais tout le monde n'est pas obligé de venir chez toi. C'est vrai. Tu entreprends, mais avant que tu puisses entreprendre, tes amis avaient leur habitude, avaient leur prothésiste, avaient leur esthéticienne, avaient... moi aussi, j'ai pile, hein. Donc, la personne ne va pas forcément venir me voir. Voilà. Donc, j'ai appris à me parler et à me reconforter parce que, sincèrement, Amen. C'était très dur. Wow. Je me suis dit, non, Seigneur, écoute, forge-moi. Amen. Forge-moi parce que si vraiment ça tenait qu'à moi, vraiment mes copines venaient faire vos ongles chez moi. Venez faire vos tenues chez moi. Mais non, elles avaient leur habitude avant. Il faut apprendre aussi à respecter ça. Voilà. Elles sont pas obligées. Exact. Et c'est ça vrai. Veut pas dire que c'est pas des bonnes amies. C'est ça. Aussi. Et puis la cible, c'est pas forcément tes amis. C'est ça. Aussi. Et puis il y a différentes. Différentes formes de soutien en fait. On peut aussi soutenir en partageant les publications, on peut soutenir en faisant le bouche à oreille, en faisant des dons, sans pour autant j'attends ton don. J'aime bien les dons. Petite pub. Voilà. Surtout, n'oubliez pas de soutenir votre chaîne préférée Évangile TV en envoyant un don. Vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche juste en dessous du player. Voilà. Donc, envoyez les dons. Oui, puisque nous parlons de soutien. C'est ça. Mais oui, ça va rebondir. Voilà. Différentes façons de soutenir. C'est vrai. Donc, moi, je sais que moi, dans mon activité, par exemple, mes cousines qui, elles aussi, entreprennent, elles sont pas forcément mes clientes. Mais maintenant, elles me soutiennent. Par exemple, dernièrement, j'ai rédigé une plaquette et ma cousine qui m'a dit « Ah, je veux bien voir », elle a jeté un œil, elle m'a donné son avis qui m'a beaucoup aidée. Moi, ça m'a aidée, c'est un soutien pour moi. C'est un soutien aussi. Donc, il faut savoir reconnaître, en fait. Ou parfois, on a nos parents, par exemple, ils vont pas forcément avoir recours à nos services, mais ils ont une façon de nous soutenir aussi. Oui. Donc, moi, ma mère me soutient, elle regarde partout où je prêche. Voilà. Partout où il y a ma tête. Même les lives Instagram, tu vois, ma mère est connectée. Elle est bien là, ma mère, ta maman. Elle est toujours connectée. Oh, et maman. Le pire, c'est qu'elle est sûre qu'elle va regarder. Oui, on la regarde. Oui, bonjour, maman! Le pire, elle s'appelle comment? Maman Mathilde. Eh, maman Mathilde, on t'aime. Bisous. Le pire avec elle, c'est que je sais pas comment elle fait parce que je ne lui envoie pas le lien. Mais elle trouve. Tu es là, seulement elle est connectée. Elle me poursuit, elle me suit. Ah, c'est ça qu'on aime. Oh, waouh. Donc, ne soyez pas émotive, ne soyez pas émotionnelle. Sachez qu'il y a une cible pour votre business et vous allez réussir si vous vous focalisez sur la cible. Les personnes qui sont autour de vous, elles peuvent vous apporter un soutien comme elles ne peuvent pas vous apporter ce soutien. Et ce n'est pas grave. Et on va évoluer. Ne pas travailler. Oh là là.
Pardon. Non, mais oui. Vous pensez que tout le monde aime travailler. Moi, je vous dis. Tu peux pas ne pas travailler, ah, tu veux dire. Ah, oui. Mais en fait, regardez, la plupart des jeunes filles de notre génération, je suis désolée, je dois le dire, veulent être des influenceuses parce qu'elles n'aiment pas travailler et qu'elles se disent que en fait le succès, la réputation, ça viendra comme ça, l'argent, ça viendra comme ça. Beaucoup, hein. Oui, mais aujourd'hui, les influenceurs, ils se battent pour nous expliquer qu'ils ne sont pas influenceurs, mais créateurs de contenu. Donc, c'est un véritable métier avec un calendrier, une enseigne. Mais c'est un métier. Pour faire une vidéo, ça prend déjà trop de temps. Oh, purée. Au montage, tu dois apprendre des choses. Tu dois faire du montage, tu dois faire de l'assemblage, tu dois faire de l'habillage. En réalité, il faut travailler. Il faut travailler pour tout. Ouais. Même si quelque chose te passionne, mais tu vas travailler. Obligé. En fait. C'est un travail, il faut arrêter. Et c'est une réalité. C'est vraiment une réalité. Je pense que le pasteur Paulette disait ça dernièrement quand elle prêchait au culte. Elle disait que la génération d'aujourd'hui n'aime pas travailler, n'aime pas les efforts, n'aime pas travailler. Ça se voit même à l'école. Franchement, la vérité, moi, mon Dieu, la façon de... Ce que mon père a mis dans ma tête, là, qui m'oblige à travailler. Je vais raconter une anecdote. Mon père est au Congo, et donc j'arrive en France à un certain âge, je suis très jeune, très très jeune. Mon père m'écrit une lettre. Il écrit une lettre, dans la lettre, il raconte plein de trucs. Et après, il fait un dessin, il fait un schéma, en fait, du parcours scolaire que je devrais avoir. Il commence à l'école maternelle, élémentaire, jusqu'à la maîtrise. Bon, je ne suis pas allée jusqu'à la maîtrise, pour être vrai. Je dis la vérité, je ne suis pas allée jusqu'à là-bas. Mais en gros, il me dit, voici le chemin que tu devras suivre. Il t'a fait une carte, quoi. Oui. Et tu sais, à la fin de la lettre, là où un papa, entre guillemets, normal, aurait écrit « Je t'aime, ma fille, je pense à toi », mon père m'a écrit « Jusqu'à preuve du contraire, tu es la fille unique de Kala Théophile et de Bemba Mathilde. Par conséquent, tu n'as pas droit à l'erreur. Oh. Cette phrase, j'avais 10 ans quand j'ai lu cette phrase pour la première fois. Elle est restée dans ma tête. Et cette phrase, je la connais par cœur. Elle est restée dans ma tête. Et autant je pense que bon, ça m'a pas toujours rendu service parce que ça a pu mettre des pressions dans certains moments. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, c'est ce qui m'a drivée, en fait, tu vois. Ça m'a drivée à être excellente, même à l'école, à ramener de bonnes notes. En fait, je me suis juste dit, j'ai pas droit à l'erreur, c'est tout. Et le truc, c'est que, aujourd'hui, moi, je regarde la génération que je vois aujourd'hui, là, c'est parfois trop facile, tu vois. Les gens ne veulent plus faire de longues études, On est en mode génération micro-ondes. Voilà. Génération fast-food. Donc, ça veut dire, comme on dit chez moi, donc tu chauffes et puis tu manges directement. Vous connaissez les pâtes à box, non? Oui, voilà. Tu prends, tu chauffes, tu manges. T'as pas le temps, un bon pondo. Moi, je suis une Congolaise, Le pondo, ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais quand tu manges ça, c'est bon. Très bon. Voilà. Comme on les aimerait dire, c'est mal doux. Exactement. Donc, il faut, non mais c'est vrai. Il faut vraiment, moi, j'estime que même cette génération-là, c'est nous, en fait, on donne le ton. Parce que avant, c'était nos mamans, c'était plus, les mamans restent à la maison, les femmes restent à la maison. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de femmes entrepreneurs. Donc, moi, quand même, j'entends même que les femmes n'aiment pas travailler. Moi, ça me dépasse. Oui, je me dis, mais à quel moment, en fait? Mais parce que l'argent est devenu facile. Il y a de l'argent. Je pense qu'il y a certaines personnes qui, grâce à leurs valeurs, se disent, OK, moi, je vais travailler, je vais aller jusqu'au bout, etc. Mais la réalité, c'est que l'argent facile a gâché la mentalité de beaucoup. Mais parfois, ce n'est pas à la maison qu'ils ont eu ces pensées-là. Ah oui. C'est à l'extérieur. C'est dehors. Bah, hein. Même les réseaux. Mais... ce qu'ils regardent, notamment à travers des rééducations et parfois bien faites par les parents. Mais bah, attends, quelqu'un vient sur YouTube et te dit, alors, moi, je travaillais pour et je gagnais 1 500 € par mois. Et puis, du jour au lendemain, j'ai pu faire de l'argent sans rien faire. C'est un mensonge diabolique. Je suis désolée. Dieu a travaillé. Quand il s'est arrêté pour créer le ciel et la terre, c'était du travail. Mais bien sûr, puisqu'il s'est même reposé le 7e jour. Qui se repose alors même qu'il n'a pas travaillé? Non, mais attends. Moi, j'ai aimé ça. Attends, je vais rebondir. Non, mais c'est vrai.
attendez, le premier jour, il a créé ta ta ta, c'est la terre. Le deuxième jour, il a créé ça. Non non non, il a chassé. Non, non. Dieu lui-même est l'exemple parfait. Alors, je l'ai dit au début, on parle quand même à des femmes chrétiennes, à des femmes qui craignent Dieu. Oui. Dieu, qui est notre exemple par excellence, je pense. Je pense que quand vous regardez à votre vie, à la personne à qui on veut ressembler, c'est à Christ. C'est ça. Et la Bible nous dit que Dieu a travaillé. Je crois qu'il créait le ciel et la terre. Il faisait quoi? C'était un travail. On dit que le septième jour, il se reposait, tu te reposes pourquoi? Parce que tu as travaillé. Voilà. Parce que tu as fait quelque chose. En fait, on se repose sur la base d'un travail accompli. Sinon, c'est pas du repos, ça s'appelle de l'hibernation. Mais tu peux pas te reposer sur la base de rien. C'est que c'est pas du repos. Mais des fois, tu es fatigué d'être fatigué. Mais oui, mais c'est dommage, tu es coincé. Tu es fatigué d'être fatigué. Et ça fatigue. Et ça fatigue. Non, mais c'est vrai, ça aussi. Oh là là, oh là là. Il nous reste deux points à voir. Oui. Il nous en reste deux. Mm-hmm. Ah, le dernier, il est trop intéressant. Allons-y, allons-y. Mais on va voir l'avant-dernier. Le fait de vouloir, faire comme tout le monde, ne regarder qu'une seule direction pour lancer un business. Je vais vous donner un exemple concret. Oui. On a eu quand même une grosse montée de make-up artistes, comme si c'était le seul métier qui existait. Est-ce qu'on peut en parler un peu quand même? Non, je vous aime beaucoup, mes amis make-up artistes, mais je sais pas, hein. J'ai des problèmes parce que c'est un je me dédouane de tout ce qu'elle vient de dire. Ça, t'as bien choisi l'exemple. Hein, très sérieusement, est-ce que c'est le seul métier qui existe aujourd'hui? Pas que ça. Même aujourd'hui, on parle de make-up artistes, mais même les prothésistes, les PO à domicile, les esthéticiennes à domicile, mais il y en a énormément. Tous ces métiers-là. J'ai des clients qui ne s'intéressent même pas à ça. À force de venir au salon, ils voient quand même qu'il y a du monde. Quand ça dit, ah, mais oui, tu fais des formations. J'ai dit, oh, oui. Oh, j'ai envie de faire une formation. Je dis, qui, toi? Tu étais client, c'est quand même pas la formation. Mais c'est parce qu'elle voit que ça marche. C'est aussi, ça. Et ça crée l'engouement. Ça crée l'engouement. Et je trouve ça dommage, en fait. Parce que moi, aujourd'hui, quand je me réveille le matin, je vais au travail, je sais que où je vais, j'aime ce que je fais. Ça, je suis passionnée de ce que je fais. Je trouve ça désolant des personnes qui, enfin, après, chacun sa vie, hein, j'ai envie de dire, mais je trouve ça désolant quand même, tu te forces à faire quelque chose seulement pour gagner quelque chose. Mais c'est métier, ça doit nous plaire. Ça peut pas fonctionner quand c'est, en tout cas, tu peux pas entreprendre sur la base de, je le fais pour gagner de l'argent. Ça peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Ça peut pas fonctionner. Ma chérie, ça va pas fonctionner. D'accord? Peu importe le métier que tu veux faire, il faut aussi que tu sois conduite par une vision. C'est pas juste parce que tout le monde le fait que tu le fais. Dernier point en 5 minutes, les filles. Vouloir impressionner les gens, réussir pour être admiré. En fait, dans cet épisode, on est allé crescendo, quoi. Mais là, c'est la plus douce, la plus. Vouloir impressionner les gens. Et je trouve que ça rejoint un peu le point précédent. C'est, en fait, tu fais des choses sur la base des autres. Tu es esclave du regard des autres. Wow. C'est ça. C'est trop dommage pour une chrétienne qui a été rendue libre par Christ. Wow. Tu es esclave du regard des gens. Tu veux impressionner les autres. Donc, en fait, ton standard, donc c'est les autres. Tu vis pour les autres. Tu vis pour les autres. T'es pas une bête de foire. On n'est pas dans un cirque ici. Oh. Fais ce qui est en toi, tout simplement. Amen. Et il suffit simplement de plaire à Dieu. Amen. Celui Amen. Qui avait les 5 talents et qui a été jugé bon et fidèle serviteur, c'est parce qu'il a fait en fonction de ce que son maître lui a donné. Et il n'a pas regardé à celui qui avait reçu 2, il n'a pas regardé à celui qui avait reçu 1. Il a fait en fonction de celui qui avait reçu 1, justement, il a regardé aux autres. Il a regardé d'abord au maître, il a jugé le maître, et il a regardé à ce que les autres avaient. Et c'est pour ça que ça n'a pas marché. Amen. Exactement. Exactement. C'est profond. Hein. C'est deep. Soyons libres de faire ce que nous avons à faire. Tâchons de faire plaisir à Dieu. Premièrement, c'est ce qui compte. Yes. Amen. 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 Tu n'as pas besoin d'impressionner les autres pour être admiré. Totalement. Moi, je dis toujours, commence déjà par t'admirer toi-même. Déjà. Ça, c'est la base. Ouais, c'est mais la non, base. Commence par t'admirer toi-même. Commence par toi-même admirer le travail que tu fais, les choses que tu veux faire. Commence à t'encourager toi-même. Regarde-toi dans un miroir et dis-toi que tu es une créature merveilleuse, en fait. Amen. Et dis-toi que Dieu veut faire de grandes et belles choses au travers de toi. Tu n'as pas besoin de regarder les autres à gauche, à droite pour faire
des choses incroyables. Mais justement, je pense même que c'est ça qui nous tue, justement. On ne prend pas assez de temps à nous connaître nous-mêmes, à connaître notre valeur, à connaître qui on est. Parce que je pense que si on prendrait le temps, justement, de se poser et de se regarder et de voir les talents, les dons que le Seigneur a déposés en nous, on n'aurait même pas le temps de s'occuper des autres. C'est ça. C'est ça. Et ce qui nous tue, j'ai aimé ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit que ce qui a fait même qu'il puisse justement se perdre, parce qu'il a d'abord regardé à ce que tout le monde faisait. Il a dit, eh, mais ils ont fait ça. Moi, genre, ça se trouve, je vais perdre mon talent, donc je cache. Mais peut-être s'il serait posé, hein, Sista, je vais regarder la caméra directement. C'est ça. Prends le temps, vraiment, de te poser, de t'asseoir et d'admirer la personne merveilleuse, la personne extraordinaire que Dieu a fait. Mais tu diras, waouh, en fait, j'ai même pas besoin de me calquer par rapport aux autres. C'est vrai qu'on a besoin d'inspiration. Pour avancer, on a besoin de s'inspirer. On ne copie pas. Aujourd'hui, je peux voir le pasteur Grâce tient une telle émission. Je me dis, waouh, mais Seigneur, c'est tellement beau. Peut-être que moi, si tu m'as appelé à ça, je viens, je me rapproche. Je dis, pasteur, comment est-ce que tu as fait? Alléluia. Amen. Pasteur, amen. Comment est-ce que tu mènes l'équipe? Comment est-ce que tu diriges? Des fois, en fait, on veut tellement, je rebondis mais la première question, on veut tellement paraître, en fait, qu'on prend même pas le temps de s'approcher justement auprès des gens, on va aller se sourcer, s'informer se former. C'est vrai. C'est vrai. La vie est devenue tellement, ben non, si je vais le voir, elle va croire que, non, je vais faire les choses par moi-même. Non. Toujours. Tout à l'heure, on l'a dit, c'est ça. Tout à l'heure, on a dit, on est un corps. Amen. Si ma soeur avant, je suis contente, et je vois que sinon, elle peut être dans la même catégorie, je viens sagement. Je viens, ma sœur, comment est-ce que tu fais ça? Très bien. Apprends-moi à faire. Très bien. J'ai envie, moi aussi. Amen. Ah, le Seigneur, tu sens qu'il t'appelle à ça. Ok, regarde-moi ce que j'ai fait, Mais ça, c'est moi ce que j'ai fait. Mais prends ça, inspire-toi et rends le lieu secret. Prie ton Dieu qui te révèle. Exactement. Alléluia. Amen. Ça me fait penser à ce que Pasteur Paulette, elle avait dit il y a longtemps. J'aime bien prendre cet exemple. L'exemple de la patate. Cette histoire cette histoire revient encore sur ce plateau. On va parler de patates. Oui, comme j'aime manger, ça va. Mais c'est ça en fait, c'est que la pomme de terre, elle a été déclinée en plusieurs formes. Je veux dire, il y a la purée de pommes de terre, même les frites ont plusieurs formes. Donc en réalité, chaque personne a sa particularité, même si on fait le même business aujourd'hui. Mais moi, je veux pas considérer que tu es mon adversaire, par exemple, tu vois. Mais non, peut-être qu'on peut s'accorder sur quelque chose. On t'a dit d'arrêter de parler de la patate, il faut parler de la banane. Mais là, Aloco. Oh, c'est vrai. Banane grillée coupée en carré. On peut faire plusieurs choses. Banane en rondelle, banane en tranches décalées. Banane pesée. Banane foutue. Banane aussi. Foutue banane. Banane bouillie. Voilà. Banane pilée. Et tout. Non, on veut décliner la banane. Non, mais vraiment. Waouh. Cette émission, elle est incroyable. Mais en fait, on a déjà fini. C'est passé trop vite, mais de toute façon, j'espère que tu reviendras très prochainement. J'attends l'invitation. L'invitation est déjà lancée. Déjà. On veut que tu reviennes, vraiment. C'était un super plateau. Merci beaucoup, les filles. Merci d'être venues. Merci, avec plaisir. Et merci à toi, particulièrement, Nissi, de nous avoir bénis. On a vraiment été bénis. Voilà. N'hésitez surtout pas à la suivre sur les réseaux sociaux. Vous allez avoir toutes les informations qui vont s'afficher en dessous, et surtout abonnez-vous à Évangile TV, et vous pouvez donc nous suivre sur les Boss Ladies Show sur Instagram et les Boss Ladies tout court sur Instagram. Nous avons été bénis de vous présenter cette émission. Chères dames, soyez remplies d'humilité, de passion, de feu, de zèle. Vous êtes capables de tout, soyez vous-même et vous allez réussir. Nous le déclarons sur vos vies au nom de Jésus et nous rendons l'antenne. Que Dieu vous bénisse, à très bientôt. Bye bye. Bye bye.